Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On m'a demandé pour cauchemar. Cauchemar, on va découvrir c'est quoi. C'est une genre de campagne. On va y jouer. Je vais vous faire ça avec tous les chapitres. Je vais m'arrêter à chaque chapitre. Faire de nouvelles vidéos. Nanana. Et la prochaine fois, ça va être avec des amis. On va être deux. Nizward. Nizward. Comme vous voulez. Il est sur PS3, il va avoir sa PS4, alors là on va jouer avec lui. Bon ben, on va lancer la partie. Je suis Dolos, déesse de la ruse et de tout ce qui reste est votre sort. Vous avez plus de force que ce qu'il peut imaginer. L'humanité n'est plus la bienvenue ici. La Terre doit revenir aux morts. Écoutez le son de ma voix, vous m'entendez? Qui est là? Ouais, bah dans le fond, c'est une histoire. Docteur Salim, on se connaît. Docteur Salim, où suis-je? Vous êtes ça a de l'air cool, ça a de l'air cool. On va passer ce petit bout. Là, je vais laisser s'il y a une autre bonne annonce avant qu'on joue. Là. Dans le fond, cauchemar, c'est. J'ai regardé des petites bonnes annonces de cauchemar. On a notre on est comme en mode multi. On a nos jets pour courir sur les murs et tout. Ça a commencé à Coalition Singapour en 2070. 10 ans après la catastrophe. 10 ans après l'apparition du virus 6115 et celle des morts vivants. On avait perdu le contact avec l'escouade de John Taylor, une autre équipe d'extermination de morts vivants. On nous appelait les chasseurs de morts. Grâce à nos améliorations cybernétiques, on était. Bon, bah, je crois qu'on va être la fille. C'est la fille qui parle depuis tantôt. Vous avez entraîné à éradiquer les zombies. C'est cool. Hendrix était sur les nerfs. On se trouvait dans une zone de quarantaine, un de ces quartiers entouré d'un mur destiné à protéger les humains, en empêchant le virus et les macabres d'entrer. Il y en avait plein, des endroits de ce genre. Okay. Les zombies n'étaient pas notre seul souci. Les 54 immortels, un groupe qui sortait pas de la zone de confinement, étaient au courant des activités de Taylor. 54 immortels, c'est quoi ça, c'est 10 humains ? Là où avait eu lieu la catastrophe de coalescence en 2060, qui avait plongé le monde dans un chaos. Là, je me demande s'il y a des manches ou non. Je crois pas qu'il y a des manches, je crois que c'est vraiment juste une vraie campagne. Faisait que commencer. Oh, ben oui, c'est la fin du monde, puis il y a encore des humains qui veulent nous tuer. C'est pas normal, ça, c'est des imbéciles. Oh, un Max Mini déjà, ok, il y a des Max Mini. J'ai entendu dire qu'il y avait des armes qui sortaient des zombies. Ça a de l'air vraiment cool. À date, j'ai pas reçu d'armes. C'est peut-être normal. Ok, mais yo, il y a des zombies partout. Ah, voilà, en parlant d'armes. Une belle arme, ben. C'est quoi ça? C'est le snipe ou c'est quoi? C'est bizarre. Ah, oh, oui, c'est le snipe là. En multi. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, on a tous les armes en multi. Puissant en plus. Ah, je préfère ça. Vas-y. Ok, c'est bon. Ah, c'est vers là-bas qu'il faut aller. Oh, c'est quoi? Hé, hey, la boîte. Ah, c'est cool, il y a une boîte, tranquille. On a pas d'argent, c'est quoi? C'est gratuit, c'est bon. Ouais, c'est gratuit. Et voilà, une grosse arme en plus. Attends, je veux voir si c'est vraiment gratuit. Ah bah oui, on n'a pas d'argent. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. Mais je crois qu'il n'y a pas genre les autres armes là, le glaceur et tout, je crois pas. Là. Faut pas exagérer, je crois. Et voilà, c'est quoi ça? Utiliser le lance-roquette pour détruire les ASP. Ah, on parle de lance-roquette, moi je pense à côté comme ça, oui. Hendrix avait un mauvais pressentiment. Il n'était pas le seul.
Et voilà. Moi aussi, je savais qu'on n'aurait pas dû être là. Et voilà, une petite balle. Oh, il peut tirer en premier. Je tire, j'enlève sa garde. Je prends ça et je l'éclate. C'est la dernière balle. Voilà. Tout d'un coup, il n'y a plus de zombies. Tranquille, let's go. Continue. Vas-y, là, on rentre dans cette salle. Allez, ouvre la porte. Ah, oh, ben non, c'est moi qui dois ouvrir. Let's go, piratage. Mais dans le fond, ce mode-là, il est cool. C'est beaucoup mieux que la campagne. Je l'ai fait la vraie campagne, puis c'est pas tant... Améliorez-vous pour un avenir radieux. C'est bon, mais pas à ce point-là. Le slogan coalescence. On peut voler, on peut faire. Ils étaient à la pointe de la technologie. Leur but, c'était de créer des humains perfectionnés. Allô. Des humains du futur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La catastrophe de coalescence. Le virus 71-15 s'est propagé à Singapour et des souches sont apparues un peu partout dans le monde. Les pays ont construit des zones de quarantaine où étaient confinés les morts-vivants. Ça maintenait les populations dans l'ignorance. Au bout de 10 ans, les gens avaient même oublié leur existence. La vie était belle. Vas-y, c'est sûrement comment que vous la portez. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette opération? On était censé faire ça dans les règles. 5 ans après avoir reçu nos améliorations cybernétiques, Hendrix et moi en étaient rodés. Nettoyage de zones de quarantaine, mission de reconnaissance et de sauvetage. C'était notre boulot de chasseur de mort. Mais c'était la première fois qu'on devait traquer l'un des nôtres. Les systèmes de John Taylor répondaient plus. Notre interface directe neuronale est reliée au serveur de l'accord Winslow. Ça leur permettait de savoir si on était encore en vie. Pour Taylor, on savait pas. Ce qui était jamais arrivé. Ok, ok. Pirater la tablette. Ok. C'est ça. Merci. Là, il va se réveiller, là, il va me tuer. On a trouvé une source de champ électromagnétique qu'on a transférée aux centrales. C'était un enregistrement des 54 immortels, évoquant une activité inhabituelle dans une salle de serveur située au niveau le plus bas du bâtiment. Ça datait d'une semaine ou plus. Sûrement ce que l'équipe de Taylor devait vérifier. Hendrix a envoyé un drone pour chercher des signes de vie. On a détecté un signal dans les niveaux inférieurs. Ok, il faut aller dans les plus en bas. Ouais, c'est... Et j'ai eu l'impression d'être Alice, en bas. Au moment où elle saute dans le terrier du lapin blanc. Vas-y. Ok, là il faut trouver la source de vie. Alors là on va suivre le petit truc, le drone, comme qu'ils disent. Voilà, on le suit, on le suit. Certain qu'il va arriver quelque chose. Ah, ça va attaquer, il va arriver quelque chose, c'est pas bon. Ah, je sens pas. Voilà, il y a déjà des roches qui me tombent sur la tête. On continue. Mais ouais, c'est vraiment une bonne campagne. Je vous conseille d'y jouer. C'est un très bon jeu. BO3 en plus. Très bon. Le drone nous a signalé des mouvements. J'ai vu des zombies. On aurait dû comprendre qu'on n'était pas seul. Ils sont géants. Ah, une balle. Enfin de l'action. Oh, mort instant. On va voir qu'est-ce que ça fait ici. Oh non, j'ai changé mon arme. Oh, seigneur, il a éclaté. Ah, j'aime bien le mort instant. Oh mon dieu, j'ai cette arme, j'ai fort. Oh, on a plus mort instant. Et non. Yo, on frappe plus fort même avec nos poings. Il crève de coups, quand on tire avec les balles, il meurt pas. Notre ami nous aide pas là-haut.
Voilà. Bon, allez, on continue à suivre le drone. Vas-y, on continue. Slide. On est plus rapide que le drone. Oh, vas-y, on saute jusqu'en bas direct. Bah non. Ah, là, c'est où? Ok, c'est le moment de faire le gentleman. Oh, elle va se faire écraser. Toi, si elle aurait fini comme ça, ouais, tranquille. Il meurt. Là, c'est fini pour nous. Là. Aïe, aïe, aïe. La fille est plus forte que lui encore. Quand les humains ont fui pour échapper au virus, ils ont laissé des milliers de robots derrière eux, en leur donnant pour tâche d'éradiquer les morts. Ah, tu peux pas défoncer la vie, toi. Ils continuent leur mission. Hey. Sauf qu'à cause de leur programmation obsolète, toi aussi, tu peux pas. Ils nous ont ajouté à leur cible. Ils peuvent pas nous distinguer des macabres. On avait déjà vu ce genre de choses dans plusieurs zones de quarantaine. Ça compliquait toujours les missions de reconnaissance. On a continué. C'est lent, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, tu vois, qu'un robot vient nous attaquer, ça serait cool. Oh, Seigneur. Casse-toi. Il crève. Ah, ah, t'es mort. Vas-y, on continue, un petit peu de sérieux. Slide. Oh, j'ai raté. Je l'ai fait tout seul. Piou. Piou. Comme ça que ça marche. On a atteint l'étage du silo. Mais le signal venait d'encore plus bas. Du silo. En dessous de Coalescence. Ok, ok, là on est déjà genre au sol. Ah, en tout cas, on est loin dans le fond. Il dit que c'est encore plus loin. Vas-y, ouvre-toi, on va descendre. Oui, 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 oui. Wow. Oh mon dieu, il faut pas niaiser hein, les gars quand on joue. Faut pas faire les imbéciles, sinon on va mourir. Si on meurt, on n'a pas de l'air très bon. En fait. Ah voilà. Ah, il meurt pas. Ah non, il meurt plus d'un coup. De plus en plus qu'on va avancer, je crois, c'est de plus en plus qu'on va avoir des zombies à tuer. Ah ouais, je crois que c'est ça. C'est cool. Un jour ils vont devenir trop forts là, si ça continue. Déjà là, ils sont forts. Mais ils tuent pas vite. C'est bien. Moi je tue vite. Oh, vas-y, on prend ça. Nouvelle arme, on va l'essayer. Il faut bien essayer les armes, hein, sinon on n'a pas le fun là, déjà. Et plus en plus qu'elle change d'arme, de plus en plus qu'elle est forte. Et lui, il sort de la terre comme ça, tranquille. Ah ah, ah, t'es mort, toi aussi. Bon, c'est quoi ça? On le prend? Oui, non, oui, non, et ben oui. Shotgun. Ah ah, bye. Donc, j'en ai donc combien d'armes là? Moi, je les prends tous. Ah oui, et pour vous dire, on peut pas avoir deux armes, on peut juste avoir le bazooka. Puis notre autre arme, on peut rien avoir d'autre. C'est plate. C'est comme ça. Mais allez, là, c'est long. Il continue à apparaître. Il réapparaît, il réapparaît, il réapparaît. Mais demande si on meurt, s'il peut nous revivre. Je crois pas. Je suis jamais mort encore. Ouais, aussi c'est pas une survie là. Vas-y, on va aller l'aider un petit peu. Voilà. J'étais en haut, y'a personne. Je m'en veux, y'a du monde. Et en plus, il réapparaît de nulle part. Comme elle. Et elle. Glissade. Ok, vas-y, je crois que c'est fini. C'est fini. Voilà. Ah, on va passer par ici. Oh mon dieu, tu t'es pas tué là-haut, sans tir, vas-y. Ah, voilà, ça va. Voilà.